celle-là, elle fait du bien parce que en 2023, déjà, on n'avait pas gagné à domicile. On avait gagné la semaine dernière parce que ça a fait du bien parce qu'on était dans une spirale négative. On avait à cœur de gagner ce deuxième match et d'enchaîner. Ça va beaucoup mieux dans les têtes, on s'est parlé et maintenant on a envie de récidiver et gagner les matchs les uns après les autres. On joue notre football déjà, on a écouté les consignes du coach, bien sûr. Et voilà, on a joué selon les points faibles de l'adversaire. C'est bien jouer sur les côtés, vu qu'ils sont sur une défense à 3. Voilà, jouer dans les interlignes, il laissait beaucoup d'espace. On a bien analysé à la vidéo et tout s'est passé comme prévu. On a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté, donc on sait que c'est important. On a plutôt bien géré le match et on aurait pu marquer le 3e pour tuer ce match. Malheureusement, on n'a pas réussi. On a pris un but et du coup, on a été solidaires pour garder le score et ça a marché. Donc on est content. Des fois, dans la douleur, ça fait du bien dans les têtes et même pour la semaine à l'entraînement, il y a des sourires et voilà, c'est cool. Franchement, le coach, il a bien remonté les troupes depuis les 2 derniers matchs et tout le monde se donne à fond. Voilà, et on est tous à fond. Hein. C'est vrai qu'on a vécu de belles émotions cette saison et maintenant, on sait que la réalité du championnat, c'est être constant toute l'année. Donc on a eu un petit trou et on a à cœur de se racheter pour tout le club et nos supporters parce que notre place, elle est en National 3. Et, du coup, maintenant, on n'a pas le choix, on va tout donner sur chaque match. Et j'ai confiance au groupe, au staff et à tous les joueurs. Ça fait très plaisir que les coachs voient que je me donne à fond, voilà, voient mes performances. Parce que moi, je suis encore dans le groupe U20 normalement. Et ouais, ça fait très plaisir qu'ils voient mes efforts. Franchement, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, il y avait encore du monde. Quand on est dans une position comme la nôtre, ça aide. Et du coup, on est très heureux. On remercie bien le club et tous les supporters parce qu'aujourd'hui, ils ont poussé. Et il y a la victoire au bout, donc c'est parfait.